Coucou, ici. Ça va ou quoi? Je sais pas si tu m'entends. Normalement, oui. Je suis en mode ouvrage de carton. Mon petit Orangina. Mes petits biscuits apéritifs. Merde. Tu m'entends pas bien? Merde, fais chier. Ouais, il y a deux cams, alors, tu vois. T'en as deux pour un, quoi. T'en as de la chance. Est-ce que c'est mieux avec le micro devant la bouche? Est-ce que j'ai pas envie de mettre le casque? Dis-moi si tu m'entends bien. Attends, je vais me sortir, je vais me servir un petit coup à boire. Oh, les célébrations. Ah, t'as capté. T'as vu, ils sont juste là. Et coucou ta manoir, comment ça va? Eh bah oui, également, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis. Bonne santé à toi, hein. Bonne année, et plein d'amour. Alors, à la vôtre, hein, c'est de l'orangina, hein, y a pas d'alcool. Vous avez vu Spike quand il me regarde? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres tout à l'heure? La petite Woodbox me rappelle bien le thème rétro, rétro gaming ou rétro, tout ce qui est rétro. Je vois plus le chat, j'ai l'impression. Il n'y a plus rien qui s'affiche. Il y a encore quelqu'un ou pas? Non, ça bug, putain. C'est super. Ouais, en plus, en fait, il faut que... J'ai dû le lancer Twitch via le navigateur internet, hein, parce que l'application a fait que de bugger. Et en fait, je suis obligé de descendre avec mon doigt pour voir ce qui se passe, donc ouais, j'ai capté. Ok, bah alors on va ouvrir ça. Alors, tac. Et oui, Spike, il est juste là. Le petit bébé. Passe à la télé. Oh. Ça va, ça va, ça va. Hein? Alors, déjà la box elle est pas abîmée, le carton je l'ai reçu en bon état. C'est un bon point positif. Ça, on s'en fout. Hop. Alors la box elle est un peu pourrie, hein, de l'extérieur, mais en fait elle est réversible.
Et je vais pouvoir la remettre à l'envers et il y aura le thème rétro normalement. Alors, ça s'ouvre par où? Ah si, elle a pris un petit coup, j'avais pas vu. J'ai trouvé l'ouverture. Ça te stresse vraiment la double caméra? Bah je sais pas comment la retirer. Alors ouais, c'est bien rétro, parce qu'on voit en dessin à l'intérieur, donc la vraie boîte, la vraie décoration de la boîte. On voit un vieux téléviseur catholique, voire limite en noir et blanc. Avec où il n'y avait vraiment pas de. Alors il y a un reflet, il n'y avait pas de télécommande, on était obligé de se lever pour changer les chaînes avec les boutons qui étaient sur le côté. Alors le petit fascicule, bien rétro années 90. Ben, j'utilise l'application Playroom, il me semble, si je me rappelle bien. Non, celle de décembre, j'ai déjà reçu, Lucie. C'est où j'ai eu les boules de Noël. Et donc là, j'ai reçu celle de janvier. Voilà, il y a déjà ce que je vois là, ça m'intéresse grave. Ça m'intéresse grave. Bon, par contre, j'ai pas de pop. Il n'y a pas de figurine pop, j'ai l'impression. Ouais, donc c'est Playroom et t'as plein de petits jeux. Bon, là, c'est en mode live stream, quoi. Et t'as plein de petits jeux à faire avec la caméra et tout ça, quoi. Lui, on peut le jerker. Casse-toi de ma boîte. Ah non, mais il est méchant. Ouais. Alors, qu'avons-nous dans notre petite boîte rétro? Alors, exclusive Woodbox. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le trouver ailleurs. C'est la petite voiture. SOS Phantom. Je sais pas si vous voyez bien. On va s'approcher. Donc Ghostbuster. On va la déballer, voir si elle est là. On n'hésite pas. Oh, ce que j'ai mis dans le four, ça a sonné. Ça sent trop bon en plus. Hop. Je vais pousser vers. Hop. Hop. Alors, donc je regarde un peu. Ça va, elle est stylée à mettre sur son bureau de travail. Ça passe crème, quoi. La petite cam. Attends, parce que. Mais en fait, il y en a. Ouais, attends. Non, la petite cam. Non, non. C'est dur, mais. Donc, c'est une petite voiture, quoi. À la Ghostbuster. Il y a pas mal de petits détails, hein. Il y a tout ce qui est les petites taches vertes du plasma, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, elle est sympa. Bon, c'est du plastique, mais ça pèse quand même son poids. C'est pas du plastique vide, quoi. Ouais, elle est bien sympathique. Voilà. J'aurais préféré quand même une pop. Sans trop pour dire la vérité, voilà. Hop, on va la poser là.
5. Tac. Alors, qu'avons-nous d'autre dans notre Super Box de janvier? Hop, la petite boîte. Quoique, ouais, je range ça, je vais ranger ça après. Alors, si vous m'accordez juste 5 minutes. Ouais, il est un peu à la ramasse. C'est bon, ça fonctionne bien. Je vais juste retirer mes trucs qui sont au four, qui est en train de cramer, ce que je suis en train de sentir là. Et j'arrive pour la suite. Excusez-moi. Enfin, j'arrive. Hop. On va me nettoyer avant. Est-ce que ça a assez gonflé mes petits soufflets au fromage? Oh, ça va, ça a l'air d'être propre. Alors, faut pas que je me crame. Hop. C'est le live détente absolue. Hein. Ouverture de box, petit plat au four. Et voilà. J'ai juste refermé le four. Tac. Et je suis revenu. Voilà, c'est beau. Donc, nickel. J'ai juste goûté un truc, ça me donne trop faim. J'ai juste voir si c'est bien, c'est cuit. Hop. C'est un petit soufflé au fromage qui sort tout droit du four. Merci beaucoup. C'est un peu chaud. Alors, vous voyez pas Spike, mais il me regarde. Super. Viens ici. Monte. Monte. Monte là. Voilà. Assis. C'est trop bon. Bon. Doucement. Ah ben. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Ouais, c'est what the fuck ce soir. Mais je suis content que ça fonctionne. Parce que, bon, j'ai dû trouver la parade. De quoi c'est pas bien, Ustur? Même lui, il a faim, là, j'ai l'impression. Stop. Putain, mais j'ai l'impression que je vois les messages en retard. Bon, alors, on va continuer. Alors, oh là, attendez, je fais tomber plein de choses. Je sais pas si vous vous reconnaissez. C'était vraiment un tout petit morceau. Juste parce que il me regardait avec ses beaux yeux. Alors, bientôt je vais me faire taper par Lucie. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous reconnaissez le symbole? On va passer à la soirée webcam. Hop. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors. Ah! C'est bien, Lucie. C'est effectivement
l'emblème de la Triforce dans Zelda. Et apparemment, c'est un petit portefeuille en cuir. Si je dis pas de bêtises. Ou un porte-carte. Alors, y a bien le. Et il y a plein de petits reliefs en fait incrustés dedans avec tous les petits logos. Il est assez propre, hein, il est assez bien fini, bonne qualité. Et ouais, c'est donc bien un portefeuille avec des petits emplacements pour mettre les pièces, hein, pour mettre les cartes ici et les billets de 500 juste là. Franchement, il est propre. Et puis, c'est pas du plastique, quoi. Franchement, il est sympa. Là, en plus, il est super bien, quoi. Les coutures et tout, il n'y a pas un petit morceau de, de fil qui dépasse et tout. Non, il est assez propre. Donc, ça, je suis content. Même si je vais pas m'en servir, hein, je vais le mettre dans mon armoire à collection, juste derrière. Alors, ça va. Hop. On va pousser un peu toute la bouffe. Hop, le micro, il vient par ici. On va se reprendre un petit soufflet pour le, pour la route. Nous avons, alors on a souvent des badges ou des pins. Et là c'est plutôt un pins. Bon, je suis pas trop fan des pins, hein. Alors je sais même pas de quoi ça fait allusion. Alors si ça vous dit quelque chose, je sais pas. Ça me parle pas, ça me dit rien. Ouais, c'est une bûche avec une flamme, quoi, mais. Hop, sans le reflet, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Mort de rire. Non, Spike, c'est pas pour toi. Descends. Donc. Je sais pas si on voit. Ah voilà, on voit mieux. Voilà, c'est juste une bûche avec des flammes. Je sais pas à quoi ça fait allusion. Faudrait que je regarde sur le fascicule tout à l'heure. C'est quoi qui est par terre? Ça. Ah ok, Tamanor, excuse-moi, j'ai pas vu ton message. Bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Je sais pas si t'es encore là. Ouais, le Spike qui se tape l'incruste. Hein. Alors, après, on a quoi? Oh, oh, c'est sympa. Alors, attends. Je trouve un endroit pour le mettre. Donc, je décroche quelque chose. Ouais, je sais quoi décrocher. Il y avait un truc qui me saoulait en plus le tableau. Vous le voyez pas, il est de l'autre côté, mais... C'est un joli tableau. Alors, je sais pas si vous allez reconnaître le film. Je sais pas si t'as mémoire 2 secondes si tu reconnais le film. Donc là, il est sous plastique. Hein. Faut que je le déballe. Il y a un petit cadre en bois. Hop. Est-ce que ça vous parle? En plus, moi, je surkiffe ce film. Alors, Lucie, toi qui as réponse, qui connais les réponses, est-ce que tu vas trouver? Alors, attends. Qui c'est qui a fait Léon déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Non, c'est pas Léon. C'est pas Léon, c'est pas Léon. Ouais, Lustu, ça se peut que tu l'aies déjà vu. C'est un, franchement,
C'est un classique, hein. C'est pas Nikita non plus. Regardez bien comment elle est habillée. C'est assez culte hein, quand même comme film. Hein. Alors n'oubliez pas que, ouais, en même temps, c'est culte pour moi. Après pour vous peut-être pas. Ouais, ta manoir, t'as trouvé. C'est le cinquième élément. C'est le cinquième élément. Il est trop bien ce film. C'est, si je me rappelle bien, c'est Lilou. Elle s'appelle Lilou. Et il est super sympa ce film, si vous l'avez pas vu. Tu connais pas Lustur? Ça te dit rien? C'est un film qu'on devrait regarder alors. Et franchement, il est bien sympa. Avec la petite toile. J'avais déjà eu. C'est mon troisième tableau du coup de la woodbox. J'en avais eu un qui vous ne voyez pas, qui est vers là-bas, qui donne sur la porte de ma chambre. Et c'est le grand fantôme dans Ghostbusters. Avec du noir, du blanc et du rouge. Et je sais pas si on le voit. Oui, vous voyez au-dessus de la fenêtre, il y en a un petit. Bon, vous n'allez pas le voir de loin, mais ça représente le décor du dernier Zelda avec les monstres métalliques qui sont dans les plaines. Bon, là on le voit pas, c'est trop loin, mais c'est celui qui est juste là. Donc ça m'en rajoute un dans ma collection. C'est ça, trois tentatives. Mais voilà, c'est bien années 90 quoi. Et franchement, pour moi, c'est un film culte que j'ai regardé plein de fois, quoi. Avec Kirby Dallas. Donc franchement, je suis content. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. À part le fait que je n'ai pas de pop ce mois-ci. Ça va pas tenir. On va mettre le verre juste là. Voilà, nickel. Lui il est toujours au milieu. Il va. Attends, je vais l'aspirer parce qu'il me fait chier. Voilà. Sans le reflet, ça serait mieux. Là j'apprends, je vois la galère des gens des fois qui présentent des objets sur YouTube ou à la télé avec les reflets. C'est relou. Peut-être qu'il est plus vieux que toi, mais pour moi c'est un film culte hein, des années 90. Alors bah voilà, on arrive à la fin. Hein. Il reste quelque chose d'autre hein, qui est dans chaque woodbox, le t-shirt. Bon déjà il est blanc. Malheureusement je suis pas trop t-shirt blanc. Mais alors. Là, j'ai déjà vu la tête du personnage qui est sur le t-shirt. J'ai reconnu direct. J'ai reconnu direct. C'est assez vieux, c'est toujours années 90, mais qui est toujours retranscrit à la télé, qui repasse toujours à la télé. Je suis déjà tombé dessus, putain, non, tu pars pas. Mais attention, c'est la personne qui trouve en premier qui gagne. Hein. Si je vous montre juste cette tête, ça vous dit quelque chose? Après, il y a autre chose marqué en dessous. Donc c'est ouais, c'est de oui, mais c'est de la série Malcolm. Donc bon, vous avez gagné tous les deux, quoi. Et il y a marqué quoi en fait en dessous? Live die. Direct meurt. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en bas, mais bon. Il y a sa tête, il est avec un t-shirt, une genre de chemise rose, orange. Et il y a marqué live, live, die. Bon, là, c'est à l'envers. Mais voilà. C'est pas un genre de t-shirt que je vais mettre dehors, quoi. Mais bon, c'est sympa dans le délire années 90. Hein. Bon après moi pour le t-shirt j'aurais mis, je sais pas, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais il est assez sympa. En plus,
Je sais pas si vous voyez, mais c'est à l'envers. Il a sa petite poupée dans sa poche, juste là, les petits détails. Ouais, tout à fait, Lucie. Donc bah voilà, hein, on a fait, on a terminé. On va mettre la box dans le bon sens, sans la casser, ça serait cool. Hop. Appuie ta manoir, merci de te rester jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture de tous les objets. C'est cool. Ciao, ciao, bonne soirée. Alors, moi et ma dextérité légendaire, est-ce qu'on va réussir à la monter sans la déchirer? Allez, j'ai l'impression de monter les boîtes d'Happy Meal. Voilà, là on est bon. On va y arriver. Allez, allez, voilà. Donc c'est box, donc c'est bien une télé, hein. Une belle petite télé. Vieille télé. Avec le caisson en bois. Et voilà, hein. Qui va se rajouter à ma collection de boîtes, je sais pas si tu vois, qui fait une genre de colonne là, qui descend tout en bas, c'est sur 2-3, il y a 2-3 étages en fait, bah pas étages mais 3 colonnes, de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 étages de box. Ça va se rajouter, j'en ai quelques-unes un peu à droite et à gauche aussi. Voilà. Bon, on va continuer à manger. Ah oui, je voulais juste voir à quoi faisait allusion le pins. Je suis curieux. Ah, le t-shirt porté, ça donne ça, voilà. Hop. Donc en plus j'aime pas trop le rose orange, donc je pense que c'est sûr que je le mettrai pas. Mais le petit tableau, le portefeuille, alors ça c'est quoi? Pins, laissez-vous emporter par l'univers somptueux des films japonais. Ok. En portant ce pins, vous sentirez la chaleur d'un démon de feu envahir votre corps au point de faire voler un château dans les airs. De faire voler un château dans les airs. Je sais pas à quoi ils font allusion. Ok, apparemment c'est d'un truc japonais. Ok. T'es toujours avec moi, Lucien? Je t'entends plus, bah je te vois plus parler. Grave. Et donc là, il y a les photos de pas du mois dernier, mais de il y a 2 mois, des personnes qui ont reçu leur box. Et voilà, ils envoient des photos via le site Facebook et après ils sont sélectionnés pour être mis dans le magazine. Alors, si tu vois. Donc, sans les reflets. T'as vu, il y a un petit toutou juste là avec le bonnet de Deadpool.
et j'ai vu un autre animal qui est... Alors putain, c'est relou. Juste là, avec le chat en mode... je sais pas ce qu'il fait. C'est sympa. J'aime bien regarder. De la pub pour Jumanji. Je sais pas si tu connais ce film. Je crois qu'il y a le nouveau qui est sorti au cinéma, je crois. Je l'ai vu en plus sur le site de film. Et après, chaque mois, en fait, chaque mois, il y a une super woodbox. Et un abonné est tiré au sort, au hasard bien sûr. Et chaque mois, on a la possibilité de gagner la méga Woodbox. Et bon, ça va faire plus d'un an que je suis abonné chez eux, hein, j'ai toujours pas reçu la méga Woodbox. Ce mois-ci, il est pas, c'est pas super super. Après ouais, alors, sur papier on dirait que c'est un peu nul, mais quand tu regardes le prix des trucs, ça a quand même de la valeur. Hein. Il y avait tout ça en fait. Et rien que là, les chevaliers d'or, les chevaliers du Zodiaque là, j'ai pas regardé le descriptif, mais j'ai regardé le prix, ça coûte 340 euros quoi. Donc, 340 euros, le truc de Zelda avec le bateau, 400 euros. Juste là. Ça doit, là, c'est en petit, mais ça doit être énorme en fait. Là, il y avait la Super Mini, Super Nintendo qui était ressortie. Ça, tu dois reconnaître, Lucien. Ça te dit quelque chose, hein? Et là, il y avait un gros disque, je sais pas quoi, de platine, non? Voilà. Mais habituellement, il y a des fois, il y a des trucs de locaux. Hein. Il y a carrément des bornes d'arcade, voilà, des trucs de fou, quoi. Ouais, c'est Crash. Tout à fait, tu te rappelles, hein, du petit masque. Putain, c'est trop bon ça. C'est Picard qui fait ça. C'est tout, tout en bas habituellement. Donc c'est des soufflés au fromage. Et après ça gonfle à l'intérieur. Tu passes ça au four hein, une quinzaine de minutes. Et après c'est trop bon. Il y en a une petite douzaine là. Et en apéritif c'est trop bon. Tu vois, je prends de l'avance parce que je savais que le live il allait jouer un peu plus longtemps. Donc ça, je mange déjà un petit peu. Alors attends, je vais juste récupérer mon verre. On va faire un petit échange. Hop. Qu'est-ce qui se passe en fait, comme je suis dans le, je passe on va dire sur un truc que j'ai pas trop l'habitude de gérer sur le téléphone, je vois pas toutes les notifications des bots. Qu'est-ce qui se passe? Putain, il y a du vent là d'un coup. Je crois que je vais rentrer mon linge parce qu'il va s'envoler. Explique-moi tout. Qu'est-ce qui... Ah non, ouais, apparemment ça marche pas, ou je vois pas les messages.
Ouais, mais comme je passe pas par le Twitch classique, je sais pas, c'est peut-être pour ça. Je suis vraiment désolé. Là, j'ai déjà fait des magouilles pour réussir à voir le chat. Sinon, tu pouvais toujours attendre. J'avais la flemme d'allumer l'ordi, quoi. Mon ordi, il est sur le bureau qui est là-bas, que tu vois pas. Bon, sinon, t'en penses quoi de ce petit live? C'est marrant de le faire. J'ai pensé à ça quand j'ai reçu le carton. Ça change un petit peu. Une fois par mois, ça coûte rien de le faire. Je te fais trop rire. Bah, c'est déjà un bon début. Là, tu peux pas me dire que tu me vois pas en grand. Là, tu vois la moitié de mon salon. Ah, tu préfères les lives comme aujourd'hui que habituellement quand je galère à avancer dans les niveaux, dans les jeux. Eh ben dis donc, c'est du beau. Rappelle-toi quand j'ai galéré sur Crash pour le terminer. J'ai la manette qui en s'éteint. Comme il y a ça devant, ça captait plus. Oh là là, il fallait faire tout tomber. Il y a du monde à la maison. Je suis pas tout seul. Bordel. Il y a grave du vent. Ça fait peur. Je vais devoir, je pense, arrêter le live et rentrer mon linge. Parce que je vais pas retrouver mes. Mes boxeurs demain, ils vont être partis chez les voisins. T'as vu, c'est mes bébés, après ils ont une drôle de tête, hein. J'ai une tête comme ça. Hein. Mais vous pouvez pas vous retourner face à la caméra? Non? Attends, là ils me demandent quoi? En fait, tu vois, ils sortent de la manette. Donc on va voir comment ils sont dans la manette. T'es prête? Allez, c'est parti. Allez, on saute, on saute, on saute, on saute.
à l'heure de tous les trucs que j'ai sortis de la boîte. Il y a quelque chose que tu préfères, Yves-tu? Bah ouais, mais bon, en même temps, c'est fort plausible, hein. Avec les rafales de vent qu'il y a. C'est vrai qu'il est stylé. Et puis il est pas trop petit ni trop grand, tu vois. Il a la bonne taille, quoi. Non, franchement, il est stylé. La petite voiture, elle est pas mal aussi. Et le petit tableau aussi, quand tu connaîtras le film, tu vas le kiffer, le tableau. Putain, tout ça. Ah, j'ai plus de coca, c'est pour ça que je bois de l'orangina. La bouteille, elle est vide. Ils ont soif aussi. Attends, je voulais tester un truc. Merde. Comment on fait déjà? Je crois que c'est option. Menu principal. Non. Ah, attends. Non, ça marche pas. Studio virtuel. Ninja. Mon ami alien. Jouer avec Azobi. Ça, je connais pas ça. Je crois qu'il aura rajouté. Frotter le pavé tactile. On frotte, et là il y a un génie qui va sortir de la manette, qui va m'accorder 3 œufs. T'as dit quoi? Il parle quoi? Il parle ou pas? Non, il parle pas. Waouh, il est beau mon squelette. Et alors? Tu racontes quoi? Je sais pas s'il parle. Il se tape un peu trop l'incruste. Hein. Dégage. Au foot avec? Non, ah, je sais pas comment faire. Je sais pas. Non, mais je sais pas ce qu'il fait réellement en fait. Spike, je le vois lui là. Il chope la balle. C'est une balle volante. Oh, mais t'es triste. Hein.
Qu'est-ce qui t'arrive? De petits trucs là à manger. Bon, c'est pas super hein. Donc on va aller dans le menu principal, on va revoir. Jamais testé ces trucs là. Studio virtuel, c'est quoi ce truc là? Ouais, faut utiliser le téléphone, c'est mort. Je l'ai pas, ne saoule pas. Ouais, non, mais c'est bon. Bah, y a pas grand chose en fait. Hein. Une box qui est virtuelle. Ça va, j'ai reçu un nouveau jouet. La manette. Oh, il est cool mon joueur. Ouais, et après? Mort de rire, quoi. Oh, une vache. Attends, on va essayer de la capturer. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Il y a des poules, il y a des spirites moutons, il y a des spirites pas cochons, des spirites vaches. Attends, là il faut que je les fasse exploser. Ah ouais, donc là, maintenant il faut que je la sorte. Voilà. Donc là, on a capté où elle était la vache. Pas faire tomber ça. Voilà. Oh là, il y a un truc à disco. Putain, je veux. Comment on fait pour avancer? Voilà. Alors là, c'est en mode disco dance. Spirit alien. N'importe quoi. Allez, on fait tout péter. Attends, je récupère la vache, puis après on va arrêter.
c'était délirant. C'était délirant. Alors, menu principal. Là. Voilà, bon, on va terminer le live sur ça, hein. Hop, un petit curly. Tiens, est-ce que tu reconnais ce personnage? Que je mange quelque chose de plus consistant et puis vers 21h j'ai quelque chose à faire. Putain, ils me font chier avec ça. Bon, je vais y aller. Hein. T'as un décalage de ouf, quoi. Ouais, c'est ça. T'as trouvé. Ça, c'est pas trop dur, tu l'as vu il y a pas longtemps, le film. Je vais ranger un peu mon bazar. Je vais manger vite fait. Ah ouais, d'accord. Lol. Je disais quoi? Ouais, je vais ranger mon bazar, je vais manger. À 21h, je suis opérationnel. Si Spike, tu vois, il est pas tout foufou. Des fois, il est foufou. Des fois, oui. Des fois, non. Alors, souvent, là, il adore se mettre comme ça sur moi. Quoi. C'est venir sur mes jambes et voilà, et dormir. Quand je suis assis comme ça. Comme ça, il a une belle vue sur la table. Il se fait vieux, mon pépère, il a les cheveux blancs. Il a les poils blancs au-dessus des yeux, là. Mon bébé. Bisous, Lucie. À tout à l'heure. Bisous, bisous.